We are the bridge between the community and the United Nations. We take the voice of the United Nations to the community, then we take the voice of the community to the United Nations. Sur le terrain, nous échangeons directement avec les communautés au quotidien et cela nous a permis de mettre en place un réseau communautaire à partir duquel nous recevons les informations directement. Ces informations sont essentiellement en termes de protection concernent les menaces des civils que nous remontons au niveau de la hiérarchie afin que la mission puisse prendre des dispositions urgentes afin de protéger les civils. Comme je suis en charge du cercle de Djenné et du cercle de Bandiagara, nous avons beaucoup de contacts qui sont établis au niveau de ces différentes localités. En cas de problème, en cas d'alerte, ils nous informent très rapidement. Et nous, à notre niveau, nous remontons l'information à la hiérarchie. Je communique les messages prioritaires de la mission afin d'assurer un dialogue permanent avec la population et soutenir la planification, la protection au niveau local en soutenant le développement du plan de protection communautaire et la mise en œuvre de stratégies locales de protection. Nous participons régulièrement aux missions d'Éthiopie avec la force. Donc au cours de ces missions, notre contribution favorise, n'est-ce pas, l'interaction entre les militaires et la population et aussi les amener à avoir plus facilement accès à l'information, notamment l'information relative à la protection des civils. C'est nous qui sommes au terrain. Nous sommes en train d'interagir avec les différentes parties prenantes pour résoudre les conflits. We know the local contact, we know the local language, we are aware of the cultural sensitivity of the community. Gender equality is the paramount when we are dealing with the conflict management, when we are dealing, you know, with information gathering for the mission to respond accordingly. J'intègre le JAR dans toutes mes activités. Quand je vais pour faire mes animations, j'invite les hommes, les femmes, les jeunes, filles et garçons sur la place publique pour faire ma sensibilisation. Le JAR ne concerne pas seulement les femmes, il s'agit des hommes, des jeunes filles et garçons aussi.